Bonjour à tous, c'est Forestman. Donc comme promis, petite vidéo sur la fendeuse. Donc ça fait deux fois que j'y recommence. Parce que la GoPro d'Amazon, c'est de la merde, hein, ça marche pas du tout, on n'a pas de son. Ou pas d'image, ça dépend des jours, comment qu'elle est lunée la GoPro. On va en acheter une autre. Donc là je suis avec le téléphone, ça va marcher beaucoup mieux, on va m'entendre au moins. Alors, je vais vous la présenter. Fendeuse Thor, 18 tonnes, horizontale. Ah bon là, elle est en position route, hein. Sur un essieu routier, donc là elle est horizontale parce qu'elle est en mode route. Bon, on peut fendre comme ça, je crois. Il y a un kit de au bout, mais c'est pas terrible comme ça pour fendre. C'est un moteur Subaru essence. Oh, bon, ça consomme pas beaucoup. Je suis à peine un litre à l'heure avec. Ouais, ça doit faire dans les 500 kg, un peu moins de 500 kg. Donc il y a un treuil 800 kg. Indispensable, sinon c'est même pas la peine. Bon, je vais la relever et puis on va mettre en route. Tiens, je peux pas la lever et tenir le téléphone.
fais comme mon confond du 30, comme moi je fais. Je mets 6 bûches. C'est lourd cette connerie. Très important, même sangle. Alors, normalement, il existe un plateau en ferraille, hein, une réhausse, mais je l'ai pas, c'est pas en option. Ben, ça va très bien comme ça. La sangle pourrait bien se dérouler, c'est déjà mieux. Plus, c'est toujours pareil, de toute façon c'est du fendage. On en fera peut-être une autre sur la fendeuse ou plusieurs. On ira au bois avec, sans prendre présentation de notre détracteur en même temps. Demain je fais une petite vidéo nettoyage de verger, débroussaillage. Et puis on continue comme ça. Bonne vidéo à tous et n'oubliez pas de vous abonner.